Je suis une reine sous la couverture. Et je vais descendre en bas parce que ça sent le gâteau. Ma mère, elle a sûrement préparé un gâteau pour moi. Yeah. Ouais. Yo, salut maman. Salut Luna, ça va bien? Ça va, tu vois, ça sent les petits fours, les petits gâteaux là. Tu oublies pas avoir des gâteaux. C'est pas encore prêt. Ah, d'accord. Mais moi j'aime bien quand c'est pas prêt, ça se mange. Oui, mais après, tu fais du caca partout dans les toilettes. C'est le but de la vie, c'est le sens de la vie, maman. Quand on mange, ça ressort par derrière, c'est normal. Oui, mais il faut viser dans les toilettes et pas tout autour. Bah écoute, c'était tout liquide et puis c'est prouté en même temps et puis ça a risqué partout. Bon, c'est pas grave, arrête de parler de caca, sinon je vais faire caca. Ok, maman. Ouais, sinon, tu veux quoi comme cadeau pour Noël? Alors, moi, je veux pas de cadeau pour Noël parce que c'est pas bon pour l'écologie et la planète, on m'a dit. Donc, je veux pas être une bousilleuse de la planète. Oh, non mais si, il faut que tu choisisses un cadeau. Bah, si tu arrives pas à choisir, moi je t'en choisis un. Par exemple, un petit bouchon pour que t'arrêtes de faire caca partout. Mais le bouchon, c'est du plastique, maman, et ça se recycle très mal dans la nature. C'est pas bon pour l'écologie, le bouchon. Faut arrêter. Oh, pas grave, sinon on achète une bouteille de vin et puis le bouchon, bah il fera un bouchon. Mais une bouteille de vin, c'est pas bon. Tu fais le vin, tu le fais avec quoi? Le vin, oui. Écoute maman, ça se fait avec ça se fait avec des pêches. Et les pêches, bah ça pourrit, c'est pas bon pour l'écologie, maman. Même pas vrai, le vin, ça se fait avec du kiwi. Non, ça se fait avec des poires. D'abord, si c'est mieux que toi. Non, des bananes. Au pire, je t'achèterai des bananes. Non, les bananes, ça demande beaucoup de travail. Il y a des petits enfants qui grimpent dans des arbres dans d'autres pays pour ramasser des bananes, pour les revendre. Et puis, il y a au moins un enfant sur deux qui monte sur les arbres qui meurt. Ah, c'est bien. Ça fera plus d'air pour les autres à respirer. Ouais, mais pas les enfants. Les enfants, non. Ça, non, c'est pas bien pour les enfants. Si c'est des adultes, encore, je comprendrais, tu vois. C'est beaucoup de population sur la planète, tout ça. Mais là, si on parle des enfants, les enfants, ils ont rien demandé, hein. Ah, au pire, pas grave. De toute façon, demain, on va faire les courses pour Noël. Donc, on verra bien si quelque chose te plaît. Les courses, c'est la surconsommation, maman. Faut pas faire les courses. C'est pas bien. Ouais, mais sinon, on mange quoi si on fait pas les courses? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question, ça. Tu sais pas, on peut pas manger, on cuit le sapin et on mange le sapin comme si on recycle le sapin. Ah, je veux bien te voir faire. Mais moi, je sais pas cuisiner, maman. Ah, faut apprendre un jour. Mais c'est toi l'adulte, donc c'est à toi de faire à manger. Je vais t'acheter un livre de cuisine. Non, c'est pas bon les feuilles, on découpe des arbres, ça fait de la déforestation. Et moi, j'aime pas les déforestations. Hein, parce que quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'oxygène. Et après, on respire comment? Hein? On respire comment, maman? Hein? Bah, on replante des arbres. Ouais, mais ça met 30 ans à pousser. On attendra 30 ans. Et dans 30 ans, t'es morte, maman. Tu seras morte. Ça, c'est le temps de nous dira. D'accord, maman. D'accord. Eh ben, moi, je vais jouer à Ploplox sur l'ordinateur, donc réfléchis bien à la planète, maman. Pose-toi les bonnes questions, hein, sur l'avenir de ton enfant, hein. Oui, mais bon, jouer à Roblox sur ton truc, ça, c'est pas écologique, ça prend de l'électricité. Non, c'est pas vrai, il y avait une publicité sur l'ordinateur qui disait que c'était bon pour la planète d'utiliser sur un ordinateur. Ouais. Ok, bah vas-y au pire. Ouais, j'y vais. Je joue à Ploplox. Maman, mais je suis un vase. Les vases, ça n'a pas de jambes. Quoi? Je suis un vase sur mon étagère. Pas grave, fais-toi rouler en bas. Ah oui, c'est vrai. Aïe, j'ai cassé le vase. Je suis cassée, maman. Pas grave, je t'en achèterai un nouveau pour Noël. Et c'était moi le vase, maman, c'était moi. Ah, pas grave, je te changerai. Quoi? Bon, go dans la voiture, hâte de parler. D'accord. Mais maman, on peut pas y aller à pied parce que c'est pas bien pour la planète de rouler. Ben non, si c'est bien, t'inquiète, c'est comme ton ordinateur. C'est ah ouais? Du gazole, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit? Mais y'a oui. Pas un truc avec le prix. Ça consomme dedans, rien, là. T'inquiète. Ouais. D'accord. Attends, devant où déjà? Ah, au magasin, maman.
T'as le l'Alzheimer. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Bientôt, tu vas oublier que t'as une fille. Et tu vas me laisser mourir de faim dans ma chambre et je serai un vase cassé. Attends, peut-être que je te laisse à l'école. Non, pas l'école, c'est les vacances, maman. Ah, ça me fera des vacances, du coup. Mais pas à moi. Et d'ailleurs, c'est ouais, quand dommage. Tu travailles, maman, tu travailles jamais. C'est pas écologique de travailler, tu savais pas? Ah bon? Et c'est-à-dire que moi non plus, je vais jamais travailler, puisque c'est pas très écologique. Voilà, t'as vu? On va trop vivre du RSA. C'est quoi le RSA, maman? T'inquiète, quand tu seras grande, tu sauras. Ah d'accord. Go au magasin. D'accord. Mais prends pas trop de trucs, c'est pas bon pour la planète. T'inquiète. On prend le strict minimum. Regarde, le vendeur, c'est un glandeur. Un peu comme toi, je crois, maman. Bah oui, t'as vu, mais il travaille, lui. Donc encore, il... voilà. Mais si, un glandeur si profiteur. Si c'est un glandeur qui travaille et toi, t'es un glandeur qui travaille pas, ça fait quoi de toi? Bonne question. Oh, moi, je travaille, je dois m'occuper de toi, tu vois. Voilà, moi, j'ai pas marché. Voilà, t'es encore une plus grande glandeuse. Oui, c'est pas une glandeuse, moi, je vais à l'école tous les lundis, mardi, mercredi, vendredi. Et je crois que j'ai oublié une journée de la semaine, mais bref. Une pizza pour demain? Non. Pour Noël, pour le réveillon. Les pizzas, c'est vacances. Pas bien. En plus, c'est des pitonnies, il y a plein de maladies dedans. Bah, ça fera peut-être des vacances, du coup. Ça dépend qui de nous deux la mangera, maman. Ça dépend. Ah oui. Ah, ok. Y'a qu'à manger ici. Oh, des Doritos. Ah, tu voudrais pas une poupée? Aïe. Pour Noël? T'auras une copine? Ça, tu m'embêteras plus. Non, et en regarde. Plus, regarde, c'est des poupées qui font pipi au lit. Et c'est pas bien, elles faire pipi au lit. Et puis, en plus, c'est du plastique. Le plastique, c'est pas bon pour la planète. Mais non, c'est un vrai bébé. Regarde, il pleure. Ouais. Non. Y'a pas de bébé qui pleure. Ok. Et des menottes pour faire joujou avec tes copines? Non, c'est fait avec du fer. Et le fer, ça vient d'où? Hein, maman, dis-moi, ça vient d'où le fer? Le fer, c'est naturel. Ça vient de la terre, donc c'est écologique. Ouais, mais ça se recycle pas dans la terre, maman. La terre, c'est la terre. Faut laisser la terre en paix, maman. La terre, elle est plate. Au pire, tu veux peut-être une altère? Mais maman, c'est pas bien non plus pour la planète, les haltères, c'est lourd. Et quand c'est lourd, bah ça alourdit la Terre. Et la Terre, elle est en train de tomber à cause de tous ces trucs trop lourds sur la planète. Bon, du coup, tu veux peut-être une banane? Une banane, c'est léger. Mais non, on avait discuté de la banane, maman. Il y a des enfants qui meurent en grimpant dans des arbres à cause des bananes. Faut arrêter d'acheter des bananes, nana. Ouais, puis merde. Allez, maman, viens, on va acheter... qu'il faut et puis on va à la maison. Tu voulais acheter quoi déjà? Je sais pas. Quelque chose à boucher, à manger. Bien maman, regarde, on va prendre de l'eau dans des bouteilles en verre, ok? D'accord, c'est moi qui fais les courses parce que c'est moi la plus grande. Hop. Voilà. Et puis à manger, tu veux prendre à manger? On va prendre de l'eau. On mangera de l'eau. Voilà, viens. Oh, j'en peux plus de ma vie. Bonjour madame. Allez-y, mettez sur le tapis. Bonjour monsieur. On prend de l'eau. Ah, qu'est-ce qui se passe, ma petite dame, que vous soyez au bout de votre vie, là? La petite, elle veut rien du Père Noël. Ah ouais? En même temps, ça me ferait des économies. Et vous avez essayé de lui faire demander directement au Père Noël? Bah non, j'ai pas son adresse, je sais pas où il habite. Ah, parce que vous savez, là, actuellement, il y a le Père Noël qui est au centre commercial. Ah, faudra aller voir. Quoi, le monsieur l'a dit quoi? Le Père Noël, il est où? Il est au centre commercial. Maman, faut qu'on aille au centre commercial, je vais lui dire bonjour et je vais lui dire dans sa tête que c'est pas bien de l'offrir tellement de cadeaux avec plein de plastique. Ah ouais, vous avez une fille bien relou, hein, dis donc. Quoi? J'avoue. Ça veut dire quoi, relou, maman? Je vais quand même aller l'emmener voir le Père Noël, en moins, c'est pas moi qu'elle m'embêtera. T'as bien raison. Allez, ça vous fera 19,99€.
Pour de l'eau? Oui, bah oui, ça devient une denrée rare, hein, l'eau sur la planète. J'avoue. Maman. Bah merci, bonne journée à vous. Vite, oui. Cours! Cours! Ah! J'avoue qu'il appelle la police. L'eau, c'est gratuit. Et aïe, ça part, il y a plein d'épines là dans la voiture de nos mamans. L'eau, c'est gratuit d'abord. C'est exactement, c'est de l'eau. À quel moment on paye de l'eau, n'importe quoi. Bon, ça, zone commerciale, maman. Oui. Ho, ho, ho. T'as vu le Père Noël? Vas-y, monte sur scène et demande-lui ce que tu veux. Ou fais-lui ses reproches. Père Noël, c'est vrai, j'ai le droit de monter. J'ai le droit d'aller le voir. Oui, oui. Ouais. Oui, tant que tu me laisses en paix. Oh, trop génial. Oh, je veux monter, je veux monter. Je vais grimper là. Père Noël, Père Noël, c'est vous le vrai Père Noël. Ho, ho, ho. Oui, oui, c'est bien moi, mon enfant. Viens, monte sur mes genoux, petite fille. Non, Luna, ne monte surtout pas sur ses genoux, tu vas attraper une MST. Moi, je sais pas ce que c'est une MST, mais bon, de toute façon, je vais monter sur vos genoux, je vous connais pas, vous êtes le Père Noël, hein. Vous venez une fois à l'année dans ma maison et vous me dites même pas bonjour. Donc, je vous connais pas. Mais je suis venue voir parce qu'en fait, je vais vous arrêter de donner des cadeaux. Oh, tu as dit quoi, petite? Arrêtez de donner des cadeaux. Mais c'est mon métier! Ouais, ben, il s'agirait un jour d'arrêter d'offrir des cadeaux parce que c'est pas bon pour la planète d'abord. Et puis, je sais même pas comment vous faites pour faire autant de cadeaux. Je suis sûre, il y a plein d'enfants qui travaillent pour vous et vous les payez même pas. Et c'est pas bien, ni pour les enfants, ni pour les cadeaux, ni pour la planète d'abord. Allez, petite, dis-moi ce que tu voudrais pour Noël. Il y a bien un cadeau que tu voudrais tellement que tu en oublierais tes convictions. Non, moi je veux pas de cadeau, je veux zéro cadeau. Même ma maman, elle peut pas m'acheter de cadeau parce que je lui ai dit que j'en voulais pas, hein. Donc c'est pas toi qui vas m'acheter un cadeau, le Père Noël d'abord. Et puis en plus, je vais te botter les cuisses si tu continues. Je vais aller cramer ta hotte de Noël. Et je vais tuer tes reines. Oh, mais dis donc, tu. T'es une enfant qui n'est vraiment pas sage. Il ne faut pas tuer des animaux et brûler des trucs en plastique, c'est pas bon pour la planète aussi. Bon, d'accord. Je cramerai pas ta hotte. Et puis, les reines, je vais les délivrer. Et ils iront habiter avec moi, ma maison, avec ma maman. Et voilà. Mais il faut vraiment que t'arrêtes, le Père Noël. C'est pas bien. Une PlayStation 5, peut-être? Quoi? Tu veux m'acheter, Père Noël? Non, moi, je vais pas me faire avoir par une PlayStation 5 d'abord, tu vois. Donc, si je veux pas de PlayStation 5, c'est que je veux rien du tout. Des cartes Pokémon, peut-être? Mais moi, je veux pas faire de la dévastation de forêt parce que j'ai des cartes Pokémon. Non, pas de cartes Pokémon. D'accord. Très bien, très bien, très bien, très bien. Là, cette fois-ci, tu ne pourras pas refuser mon offre. Un iPhone 47. Un iPhone 47? Oh, mais c'est trop bien l'iPhone 47. Non, 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 je veux pas d'iPhone 47. Tu ne m'auras pas, vieux Père Noël, vieux Schnock. D'accord. Qu'est-ce que les petites filles, elles aiment bien. Et qu'est-ce que tu dis si je dis boum? Je dis baya, boum baya. Que dirais-tu de tickets pour le concert des Blackpink à Brookhaven qu'il y aura dans un mois? Quoi? Non, c'est pas vrai. C'est ça que je veux comme cadeau de Noël. Maman, je veux ticket des Blackpink. Je veux aller au concert des Blackpink le mois prochain. Je veux un cadeau. Maman, s'il te plaît, fais-moi le cadeau des Blackpink. Ok, mon enfant. Et voilà. Tout le monde a besoin d'un point faible. Ouais, du coup, c'est mais bon. Mais tu sais... Oui. Oui, mais tu sais, le ticket, il est fait en papier. Ouais, c'est pas écolo. C'est du papier d'arbre qui repousse tout seul. Ah, ok. Ouais, ouais, ouais. Toi, quand ça t'arrange, hein. Et tous les petits enfants qui portent la scène, là, t'as pas peur qu'ils se fassent écraser? Bah, s'ils se font écraser, c'est parce qu'ils sont trop nuls et qu'ils savent pas porter une scène. Et ça, du coup, on peut rien y faire.
Ok. Et tout le maquillage, là, tout le fond de teint là, sur tes black punk, ça dérange pas? Bah, c'est pas de la graisse de baleine, c'est de la graisse de baleine périmée, d'accord? C'est une baleine qui est venue et qui a dit « prenez ma graisse » parce qu'elle a fait une liposuction et du coup c'est du maquillage écologique. Ah ok, et ça va, au moins ils vont mourir dans 2 ans avec ça, vu que c'est périmé. Ouais. Et puis de toute façon, je m'en fous, je vais aller voir les Blackpink et c'est le plus important. Au moins ça me fera des vacances. Bon, c'est parti. Bah ouais, et tu vas devenir avec moi parce que je suis trop petite pour aller toute seule. Non, non, je vais te laisser y aller toute seule. Ah, trop bien, comme une grande. T'as vu? Ta maman, elle est pas cool? Elle est trop cool et trop responsable, ma mère. J'avoue. Je suis trop fière.